never ever. Mohamed me rend jeune, spécialement sous les draps. Je n'espérais pas avoir le meilleur sexe de ma vie à 83 ans, mais je ne vais certainement pas m'en plaindre. J'ai payé toutes ses dettes car il avait emprunté avec sa carte de crédit. J'avais 40 000 livres sterling sur mon compte bancaire et je remettais ma carte bancaire à Mohamed chaque jour. C'était pour payer les frais de subsistance, les repas au restaurant, une lune de miel à Sharm el Sheikh, en général, profiter de la grande vie. Mohamed n'a jamais eu de travail et n'a jamais eu d'argent. Je disais aux gens que nous partagions les dépenses, mais c'est mon argent, qui payait tout, je lui ai dit, plus d'argent. Si je tombais morte demain, je n'aurais pas de quoi m'enterrer. Je peux dire beaucoup plus à ce stade, mais cela pourrait impliquer des questions juridiques. D'après le comportement de Mohamed, j'ai appris qu'il présentait de nombreux traits du narcissisme. Quand les gens se rendront-ils compte que la fraude amoureuse est en augmentation? Souvent, ces personnes escroquent les personnes âgées en leur arrachant leurs économies.